chega a onda. Oh yeah, work like oh là là. Un mauvais départ pour lui. Oh! Et c'est Scott Pierce qui passe le premier, la bouée de départ arrivée. Qui sortira premier du virage? Attention, c'est Ghislain Marcoux. Et voilà, mais Ghislain Marcoux à fond les gaz. Ghislain Marcoux, et là, Hayward a beaucoup de difficultés. Et la puissance déployée par Ghislain Marcoux, c'est assez étonnant. Ouais, lui a énormément de puissance, beaucoup de confiance également. Et là, on en prend large, là. Et t'as vu Scott Pierce, qui va tenter de remonter. Également Howard, Ghislain Marcoux. Pour surveiller Howard du corridor intérieur qui va dépasser Scott Pierce. À l'intérieur, très serré pour Howard. Oh! Howard, là, quel pilotage démontré dans le virage est, très serré à l'intérieur, et voilà! Alors, on a vu Scott Pierce danser sur ses pontons à la sortie du premier virage. Ça a permis à Howard de le devancer. Là, il est à la chasse au groupe ABS. Marco, toujours bon premier. Howard dans la queue d'eau carrément de Ghislain Marcoux. Et là, on a deux tours de Pierce. On ne s'entend pas présent avec le ronronnement des moteurs. Deux tours de complété. 152 km/h pour le groupe ABS. Et là, le Y qui n'est pas très loin en termes de km/h derrière. Mais attention, Scott Pierce là, qui menace Patrick Howard. Oh! Scott Pierce. Il ralentit quelque peu. Ghislain Marcoux, on a montré le drapeau blanc. Alors, dernier tour à faire. Marcoux qui est impressionnant aujourd'hui. Vraiment énormément puissant, semble l'homme à battre, mais absolument, là. Ça s'est joué au départ. Howard qui sa stratégie n'a pas fonctionné du corridor intérieur. Mais là, vraiment, Ghislain Marcoux là, a surveillé demain. Oh. Oui, la puissance est là. Il l'avait mentionné hier. Deux victoires aujourd'hui. Alors, le drapeau à damier est sorti et ce sera la victoire pour Ghislain Marcoux. Patrick Howard et Scott Pierce sont les suivants. Un tout de même pour Patrick Howard. Avec une victoire et deux deuxièmes positions, prend momentanément la première place. Scott Pierce également, lui qui...